Valérie Pécresse est contente. Yes, ça marche. Parce qu'elle est passée dans le métro avec son iPhone. Elle a mis son pass Navigo sur iPhone, qui est la dernière nouveauté, qui est dans tous les pays du monde, c'est déjà le cas. Et là, elle fait « Yes, ça marche, regardez les gars, je suis nul à chier, mais on a réussi à mettre une application pass Navigo dans notre téléphone. Écoutez, coucou 2020 !» 2020, c'est vraiment un truc qui date de 2020. Mais quel enfer, Valérie Pécresse. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'elle prend pas sur le métro parce qu'elle rentre comme ça, et elle va pas trop loin. Elle se fait applaudir, mais elle est crevée en enfer. Et donc là, elle va pas trop loin. Elle fait, ah non, mais attendez, je veux bien faire, je veux bien passer vite fait avec le pass Navigo, mais je vais pas plus loin. Non, ça c'est pas mon genre, laissez-moi tranquille. Je vais pas avec les clodos là, à m'échanger avec le RER et tout ça, c'est dégueulasse, hein. C'est pas mon genre, ok. Non mais horrible, oh. Mais je comprends pas que Valérie Pécresse, elle ait un minimum de crédibilité. Non mais le, moi j'adore, c'est le... Genre elle est presque étonnée que ça marche, tu sais. Yes, ça marche. Genre, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme moi quand je monte un meuble Ikea. Tu sais, je suis là et je vois que j'ai tout monté, qu'il me reste deux vis dans la main, mais qu'il est stable. Je fais « Ah, ça marche !» Alors que vraiment, je n'étais pas sûr du tout. T'sais. Et là, les gens applaudissent, mais elle est crevée. Et voilà. Moi, j'adore parce qu'elle prend pas le verre. Et tu sais, dans ces trucs-là, tu fais « Ben voilà, c'est bon, on a ouvert. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» On se prend un petit café. Ah non, il est dégueulasse, c'est vrai. J'ai fait le café moins cher. Ok. On va aux toilettes. Ah, elles sont dégueulasses. Ok. Ben, moi, je vais rentrer chez moi. Au revoir. Hein. Par contre, je vais me laver avec une lingette. Hein, mais l'enfer. Alors, une Valérie Pécresse hyper sûre d'elle, jusqu'au moment où une sénatrice. Mais là, les bâtards, les quotidiens sont bâtards. Avec un petit sourire. Ils sont bâtards, quotidiens. Je vais revenir sur un sujet qui m'a un peu stupéfaite, sur le projet de création à titre expérimental du Vertiport. Donc. Mais rien que le nom, ce sourire. Rien que le nom, il est pas bon. Vertiport, il est pas facile à dire. Tout, rien que le nom, moi je dis, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Dire qu'elle sait. Là, elle sait. Bah, bien sûr. De quoi parle cette sénatrice vert? C'est quoi cette histoire de Vertiport? Eh bien, on en avait parlé ici, il y a un an. Elle pose une question sur ces taxis volants pouvant transporter 8 personnes. Et devinez qui avait fait cette annonce futuriste en juin dernier. La mise en service de taxis volants à décollage vertical qui sera... Et là, elle se croit dans le futur, la meuf. Wouh ! Elle se croit dans... Elle est comme une dingue, elle se dit. Eh les gars, on est en 2019, hein, je crois que ça date. Hein. Ah non, bah allez, on va dire qu'on est en 3000. Yeah ! Non mais complète. Tu sens qu'elle est trop heureuse, elle est trop heureuse, elle est infernale. Ouais, je te fais ça, Fanzi. On va amarrer, vous savez, Quai d'Austerlitz pendant l'intégralité des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est cette barge qui va servir de vertiport, donc de héliport vertical. À l'époque, hein, je m'en rappelle, on avait le même sourire que la sénatrice quand on avait vu ce projet. Il y aura une démo après? Non, il n'y a pas de démo. L'effet Bonaldi! Ah non, mais quel enfer! Ça me déglingue. Que j'adore parce que quand même c'est des millions d'euros, c'est des gens, ils ont fait plein d'études, c'est des gens, c'est leur métier. Et il y a une démo? Non? Ah, ok, il n'y a pas de démo. Tu vois? Je veux dire, c'est vraiment, il n'y a rien qui va. Le même sourire en coin, mais quand même sans oublier ça. La région Île-de-France va s'engager donc à hauteur d'un million d'euros. Un million pour un projet qui devait voler, bah, donc là, dans 3 semaines. Alors, les taxis volants et le vertiport, on en est où? Le vertiport. Alors, généralement, c'est quand elle dit plusieurs fois le mot. Le vertiport. Tu sais, c'est comme moi. Si ma meuf, elle me dit, mais tu m'as trompé. Alors... On l'avait déjà vu ramer, mais alors ramer comme sur le vertiport, jamais. C'est pas moi qui étais à l'origine de ce projet, c'est ADP et la RATP. Ah, moi, je parce que quand elle le présente au premier bout, t'as l'impression que c'est elle, hein, qui a eu l'idée. Hein. Pris la balle qu'au bon, voilà. Donc, le projet, c'est le projet d'une navette. Alors certes, une navette de 8 à 10 personnes, ce sera jamais un Concorde.
Et c'est marrant de prendre l'exemple du Concorde qui a un truc qui a échoué. Enfin, tu vois, qui marchait, mais qu'ils ont arrêté parce que c'était pas viable. Marrant. C'est que personne n'y croit autour de la table à cette histoire de vertiport, mais elle y va quand même. Une navette, d'une navette collective qui quitterait effectivement un vertiport pour aller jusqu'à Roissy. Et l'objectif. Elle rigole, l'autre là. C'est fou. C'est drôle. On adore la manière qu'a la sénatrice Vert de la regarder. Elle aurait dû dire dès le début, ouais, ok, j'avoue, le vertiport, mais oui, c'est pas génial, annonce, on a oublié tout ça. Tu vois, je pense qu'il y a un vrai problème sur les politiques, ils devraient dire quand ça marche pas et c'est pas grave, enfin, tu vois, en avance. Il n'y a pas pire que de pas dire et de trouver une excuse un peu merdique à deux balles, tu vois. Mais une fois qu'elle est lancée, c'est trop tard. C'est de pouvoir transporter les passagers pour le coup d'un taxi. D'un taxi. Donc mettre une voiture de moins, enfin 8 voitures de moins sur la route et mettre les 8 personnes dans le vertiport. Non, dans la navette. Elle essaye de défendre un projet qui enlèverait donc 8 bagnoles sur toute une autoroute face à une sénatrice qui la regarde comme ça. Ah non, mais 8 voitures à 1 million d'euros. L'idée d'avoir effectivement, ça remplace le taxi, donc un transport plutôt pour les classes moyennes aisées, mais ça remplace pas, c'est pas le... Enfin, c'est le puis tu sais, quand il dit classe moyenne aisée, c'est mort. Peut-être que ça marchera pas. Peut-être qu'on se dira, qu'est-ce que c'est que cette idée du cinquième élément. Peut-être, mais moi j'essaye. Voilà, c'est mon. Oui, mais tu vois, je préfère qu'elle dise au moins qu'elle essaye. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère au moins dire qu'elle essaye. Tu vois, je veux dire, c'est normal d'essayer de se tromper, mais arrête de balancer des conneries, machin. En tout cas, Valoche, bonne chance. Ça va pas être facile ta vie.